ce jeudi 11 juillet 2024, à l'occasion de la Journée mondiale de la population, les membres de la conférence administrative départementale ont été sensibilisés par la Direction générale des politiques de développement sur le thème général de cette édition qui est « Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ». Le maire de la ville de Parakou, après son mot de bienvenue, a rappelé l'importance de la collecte des données fiables. Les prises de décision sont souvent facilitées par les données. Et ces données ne peuvent être utiles que lorsqu'elles sont précises. Aujourd'hui, notre État est dans cette dynamique, dans cette démarche-là, du point de vue où le recensement général de la population et de l'habitat a démarré depuis un certain moment. Tout ça, c'est pour avoir les données quantitatives et qualitatives de notre population afin de faciliter les prises de décision, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'habitat, etc., etc. Passés à tour de rôle, plusieurs communicateurs au cours de cette séance ont abordé l'importance des données statistiques, la monographie du département avec un zoom sur la municipalité de Parakou et présenté enfin le dispositif de production des données sociales inclusives. Le deuxième adjoint au maire donne son appréciation. Je suis très content donc de constater que effectivement notre ville, la ville de Parakou, a été choisie pour abriter cette 35e édition de la Journée mondiale de la population. Et il faut dire que cette journée est une journée très capitale parce que, comme tout le monde le sait, tout dirigeant ne peut mener des actions que pour la population. Et pour cela, il fallait donc une journée de réflexion sur tout ce qui concerne la population. Le maire a ainsi invité les acteurs à divers niveaux à participer à la prise des collectes de données fiables pour le développement du territoire national.